Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo qui va parler du pendule. Donc ce médium que j'utilise parfois. Un pendule, si vous n'avez pas de sous pour acheter un pendule, c'est pas grave, hein, vous prenez un fil et vous mettez un petit boulon au bout et ça va vous faire un pendule. Hein. Alors il sera peut-être moins précis qu'avec une pointe ou d'autres types de pendules, mais voilà. Vous pouvez faire un pendule façon maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle là-dessus. Hein. Pierre, pas pierre, métal, bois, pendule, c'est un fil avec quelque chose qui tourne. Je vais vous conseiller ce qui m'a aidé, hein. Ce qui m'a aidé, c'est le livre de Monsieur Christian Cambois, Bonne Maison. Donc, le livre de Monsieur Christian Cambois, Bonne Maison, Pendule et Magnétisme. Alors là, c'est la réunification de deux livres en un. Voilà. Les deux livres font 80 pages chacun. Et là, vous voyez, vous avez 160 pages environ d'explications. Voilà, tout ça. Dans ce livre, tout ce qui parle du pendule, c'est dans la partie 2. C'est dans la partie 2 du bouquin. Ah, il explique un peu l'histoire, comment il en est arrivé là, il explique sa vie ce monsieur, quelle recherche il a fait, au début il a contacté son père, tout ça, il a contacté un défunt, son papa, et du coup c'est comme ça, il avait besoin de lui parler, tout ça, et puis du coup après il a utilisé le pendule et bah, pour lui il parle avec son père. Voilà, chacun ses croyances. Il m'a canalisé, ce livre m'a canalisé sur ma façon d'utiliser le pendule. J'utilisais pas du tout le pendule comme ça au début. Au début, j'avais une feuille, j'écrivais oui, non, et je laissais le pendule tourner sur oui, non pour savoir ma réponse. Alors qu'en fait, avec un pendule, vous pouvez déterminer vous-même votre. Enfin, le pendule détermine le oui et le non par rapport à vous. Donc, moi, mon oui est dans le sens horaire et mon non est dans le sens anti-horaire. Et du coup, en suivant des gens, d'autres personnes, bah, ça peut être le oui est dans le sens anti-horaire et le non est dans le sens horaire. Voilà, c'est comme ça. Première chose, quand vous prenez un pendule, bah, montre-moi un oui, montre-moi un non. Voilà, c'est ça que vous lui demandez au pendule. Donc là, en l'occurrence, bah. Alors moi, oui, j'invoque. Oui, je fais comme une invocation. C'est-à-dire que moi, je demande à mes guides. C'est vrai que je demande à mes guides. Après, pareil, moi c'est ma façon. Ce que je vous explique, c'est ma façon de voir le pendule. La mienne, d'accord? C'est pas. C'est sûr, j'ai pris un bouquin. Monsieur Cambois, c'est sa façon à lui. Moi, c'est ma façon. Chacun, je pense qu'il y a 7 milliards de façons différentes sur Terre de si tout le monde prenait du pendule, de le faire. Voilà, ça c'est sûr et certain. Ensuite, c'est vrai, après, pour la logique et la façon de l'utiliser, ce livre-là que je vous conseille, débutant et même les confirmés, hein, il a des bonnes aides, des bons rappels et tout. Notamment, moi, je vais partout. Enfin bref, je vais revenir au oui et au non, et après je vous parlerai du bouquin, du reste que je vais vous parler du bouquin. Alors, du coup, quand vous faites du pendule, il faut être serein, faut pas être surexcité, il faut pas être en colère, il faut surtout pas être triste, il faut pas avoir des angoisses. Voilà, tout ce qui est négatif pour l'homme, stressé, tout ça, faites pas le pendule. Essayez d'être. Quand on fait du pendule, il faut essayer d'être neutre. Il faut essayer de trouver une forme de neutralité. Je sais pas si tout le monde comprend, si c'est facile, ou. Je sais pas. C'est en tout cas, faites le pendule quand vous vous sentez bien. Pas quand vous êtes en colère contre quelqu'un. Voilà. Et quand vous l'utilisez, moi j'appelle mes guides, mais si vous vous appelez. Jésus, Dieu, Allah, vous appelez qui vous voulez, et du coup, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, votre père, vos petits-enfants, enfin, vous appelez qui vous voulez, et voilà, c'est quelque chose qui doit vous mettre bien, ok?
quelque chose qui doit vous mettre serein, bien. Donc bah, moi je les appelle mes guides. Voilà. Donc je vais pas les nommer, mais voilà, ils ont des noms. Enfin pour moi. Hein. Et du coup, voilà. Donc bonjour mes guides. Est-ce que vous pouvez me montrer un oui? Bon, vous voyez, le pendule il tourne. Donc là, il me montre un oui dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Est-ce que tu peux. Merci. Est-ce que tu peux me montrer un non? Ok, donc là, il est dans le sens anti-horaire. Bon, ça a l'air d'être simple. Comme toute chose, c'est il faut se lancer. Si vous voulez essayer, bah essayez, lancez-vous. C'est il n'y a pas de. Pensez pas dans un premier temps. Pensez pas dans un premier temps. Ouais, qu'est-ce que je viens. Qui c'est qui va venir se greffer tout ça? C'est bon, ça y est, vous commencez déjà. Non, tranquille. Faites un truc, faites le pendule. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà, c'est mon expérience. Voilà. J'ai pas eu le pendule qui a commencé à se lever droit comme ça, qui a fait trois fois le tour de la pièce. J'ai pas eu une question qui a été posée, les cieux se sont ouverts et j'ai reçu des trompettes et un signe divin. Non, c'est un truc, c'est pas Hollywood, c'est pas catastrophique, c'est tranquille, c'est zen, c'est avec soi, c'est tranquille. Voilà, c'est tout, tranquille. Je vous ai dessiné, donc je sais pas si on va le voir, des petits exercices. Donc vous faites ce genre d'exercice. Donc une barre donc horizontale, verticale, un cercle horaire, un cercle anti-horaire. Enfin une petite spirale plutôt, pas un cercle, petite spirale anti-horaire. Et puis bah après vous mettez au-dessus. Et puis bah vous attendez au bout et puis vous voyez si le pendule il va bien. Il va bien vers le bout, comme ça, voilà. Alors. Il se peut que j'ai mon bras qui bouge, mais je peux vous assurer, j'essaye de tout mon possible de. Voilà, parce que là, je vous parle, tout ça, alors il y a peut-être. Mais. Vous n'avez pas l'impression. Vous voyez, si je fais ça, là c'est moi qui fais le mouvement. Mais. Là, vous restez zen, vous posez, vous faites une tranquillité en vous. Vous essayez pas de penser, il faut pas que je bouge tout ça. C'est pas grave. Vous allez voir, ça va venir. Vous posez une question. Posez-vous ma première question. Bonjour, est-ce que j'ai des guides? Et en général, le premier sens que ça va prendre, ça va être un oui. Après, vous pouvez dire, bah, montrez-moi un oui. Et puis voilà. Bon, en ce qui concerne les exercices, donc vous faites une feuille. Vous faites les petits exercices. Puis. Alors au début pour s'approprier le pendule, pour commencer à avoir une certaine assurance, faites ça. Après vous le faites plus, vous savez le faire, donc c'est bon. Et voilà ces petits exercices que je vous ai montrés. Ensuite dans ce livre, donc Monsieur Cambois, lui, il a fait un cercle. Je ne sais pas si on va bien voir. Je vais montrer dans son livre. Il a fait un cercle comme ça, avec des degrés. Et en fait, il y a placé tous les 10 degrés une lettre. Donc il y a 360 degrés. Donc 24 lettres plus les. 26 lettres, pardon. Voilà. 26 lettres plus les 10 chiffres. Et ben du coup, voilà, il a fait un petit cercle et il a tout inscrit. Donc pareil, hein, quand vous faites du pendule, vous vous mettez au centre de ce cercle. Donc moi, j'en ai fait un à ma façon. Ouais, il est dégueulasse. Mais bon, il a subi les outrages du temps. Et du café, et des enfants. Enfin bref. Et puis voilà, vous mettez au milieu, et puis bah après, est-ce que vous avez un message, et puis vous attendez, et puis vous allez voir que le pendule va commencer à aller vers une lettre, une autre, et etc. Et après ça fait un mot, et après ça fait des phrases, et après ça fait des textes, et après ça fait des pages, et puis voilà. Et puis après, vous commencez à écrire un livre. Vous pouvez commencer à écrire un livre comme ça. Moi, je l'ai fait un peu grand. J'ai fait un peu grand le cercle. Pas pour composer quelque chose. Non, mais vraiment, j'ai fait un grand cercle parce qu'au début, je pensais que
C'était mieux, et puis je le voyais mieux, et puis c'était bon pour moi, quoi. Et en fait, quelque part, vous voyez, le cercle là, il est beaucoup plus réduit. Et en fait, quelque part, quand vous le faites avec ce cercle, les lettres arrivent plus vite. Les lettres arrivent plus vite, en fait. Là, elles mettent un peu plus de temps à aller. Les lettres, on met un peu plus de temps. Mais. Et c'est le principe, c'est comme ça. Ensuite. Que dire d'autre sur le point nul? Essayez. Pareil, faites-le sans peur. Essayez pas, faites pas ça. Si vous le sentez pas, le faites pas. Moi, quand j'ai essayé le pendule, donc c'est quelqu'un qui me l'a offert, parce que je, voilà. Et puis j'ai essayé un soir en plus, la nuit. Et waouh, ça, ouais, ça m'a fait des frissons. Je me rappelle, je m'y attendais tellement pas. Et puis vous allez voir, vous allez pas vous y attendre. Enfin, moi, ça m'a fait ça. C'est mon expérience que je raconte, hein, mais. Je sais plus, j'avais posé une question et puis ça avait. Puis je bougeais pas et j'étais là. Et là, vous vous dites, waouh, y a l'inexplicable, quoi. C'est quand même incroyable. Le pendule ne convient pas, c'est vrai, à tout le monde. Il y a des gens, le pendule bouge pas. Et vous savez pas pourquoi, c'est pas leur truc, quoi. Il y a des gens, leur pendule bougera pas. C'est comme ça. Faut pas vous en vouloir, hein. C'est juste que c'est pas votre médium. Vous allez peut-être recevoir des rêves, ou sinon vous recevrez rien, et puis c'est pas grave. Puis vous allez faire des exercices sur les plantes avec les magnétismes pour qu'elles poussent plus vite, ce genre de choses. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et puis ça va marcher. Voilà, c'est. Là, je vous parle de mon expérience. Après vous, les gens, bah, faites votre expérience. En tout cas, le pendule, c'est un bon médium. C'est quelque chose. De tranquille, c'est mes guides, pareil, c'est ma croyance, hein. Mes guides, ils sont là, ils sont pas là pour vous juger. Enfin, les miens, ne me jugent pas. Ils me conseillent. Ils me disent jamais ce que je fais, si c'est bien ou c'est mal. Juste, ils me conseillent. Voilà. Après, si, prenez-le comme quelque chose de positif. Donc voilà. Donc bah, je pense que j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous voulez quelques précisions, bah, posez les questions. Sinon voilà. Est-ce que je mets son livre dans la description? Bah, franchement, je vous dis un truc, c'est mieux quand vous faites vous aussi des recherches. De toujours vous mâcher le boulot. Oh, ça peut être bien. Bah, vraiment, si on me demande si quelqu'un n'a pas fait pause et n'est pas parti voir sur internet, c'est bon, quoi. Enfin bref, je vous fais tous des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Alors, si je vais vous dire la prochaine. Et la prochaine vidéo que je vais faire, je pense que je vais la faire aujourd'hui. Ça va être une vidéo qui va vous parler. Qui va me. Je vais vous expliquer comment je vois la cartomancie. Moi, Frédéric, comment je vois la cartomancie dans tout cet univers de cartomanciens, tout ça. Parce que. Bon, j'ai eu un petit commentaire, mais bon, c'est comme ça. Où une personne m'a dit que je ne savais pas faire de tirage. En amour, ouais, je ne fais pas de tirage. Je ne sais pas faire. Et puis, je ne fais pas de tirage. Mais je vais vous expliquer ça. Et voilà, comme ça, au moins, après, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Et puis, si ça. Pareil, si ça vous dit pas, c'est pas grave, hein, c'est ma façon de voir les choses. Et vous avez votre façon. Donc, je vous en veux pas. Et la vie est belle. Il y a plein de place pour tout le monde sur cette terre. Et voilà. Et gros bisous et le pendule, hein, comme c'était sa vidéo à lui. C'est un super outil pour soi, pour s'aider, pour se calmer, pour tout ça. Voilà. Allez, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Bisous.